Nous sommes dans une région où il y a énormément de problèmes d'érosion. Donc nous avons commencé par planter des haies dans certains bas-fonds pour limiter le ruissellement de l'eau, pour éviter qu'il y ait trop de ravines. Arrivé au mois de mai, mai, juin, juillet, il y a énormément de papillons, d'abeilles. Si vous cherchez des animaux, c'est ici qu'il faut aller voir. C'est là que vous allez retrouver tous les faisans, les perdrix, les lièvres s'y cachent également. De temps en temps, on trouve des chevreuils qui se mettent à l'abri du vent derrière la haie. Alors l'entretien, on fait souvent ça au printemps ou alors après c'est carrément à l'automne. Et on utilise une débroussailleuse sur un bras articulé qui permet de limiter la hauteur à vue. Quoi. Moi, je pense que j'ai essayé de recréer un petit peu ce que nos ancêtres ont fait et qu'à un moment donné, on a laissé tomber. Ici, dans le Clos Mazur, on a replanté des pommiers, mais tout à l'identique. Dès qu'il manque un arbre, on le replante l'année d'après. Donc, ce qui permet aussi d'avoir un entourage qui est vraiment agréable, quoi. Quand on arrive dans le Clos Mazur, ben, on voit qu'il y a eu des choses de faites, quoi.